un petit orage le 15 août. Là, on en voit des vignes vieilles en face. Là où on voit le chemin, là, il y a des chemins que j'ai fait justement pour travailler avec les tracteurs. Une partie du terroir des mégalithes. Après, il faut aller de l'autre côté du ruisseau. Vous utilisez quand même l'eau de ruisseau ou pas du tout? Non, non. Il y en a qui arrosent, on peut arroser ici, tous ceux qui viennent de pays, la plaine là. Oui. Il y a un canal d'arrosage, il y a un barrage en haut en amont. Ça peut s'irriguer, mais nous on n'a pas de vigne dans ce terroir là et on arrose pas. Vous n'arrosez pas. L'inconvénient d'arroser, c'est que on va habituer les souches à avoir l'eau en surface. Ouais. Et le jour où on décide d'arrêter d'arroser, la vigne souffre pendant des années et des années pour qu'elle refasse un système racinaire qui aille puiser l'eau en profondeur. Nous, on préfère faire ça, faire un travail de sol pour favoriser l'enracinement des souches pour qu'elles ne souffrent pas.